Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver ici à la piscine du Chaudron pour la dernière journée de compétition, la compétition de natation qui a débuté depuis mercredi et qui a porté son lot de médailles et d'émotions aux nageurs réunionnais, mais pas seulement. Marc, bonjour. Bonjour Thierry. On se retrouve pour la dernière fois. Oui, bah, c'est un peu triste parce que je commençais à prendre l'habitude. À prendre goût et vous allez me manquer. Ouais. Bah, vous aussi. Marc, question récurrente qui revient à chaque fois. Est-ce que la suprématie réunionnaise est menacée aujourd'hui? Elle n'est pas menacée, mais elle est titillée. Et on verra encore aujourd'hui certainement dans au moins deux ou trois épreuves les Mauriciens pointer leur nez, mais les Seychellois aussi. Et ça nous amène à nous regarder un petit peu sur notre avenir, autant sur le plan local réunionnais que sur le plan de ceux qui partent à un moment donné nager dans des pôles en métropole. Et par contre, il faut que nous réagissons absolument, parce que je pense que aussi nos îles voisines vont avoir des meilleures structures, ça va forcément se mettre en place, et là ils seront de plus en plus compétitifs, car comme je le disais hier, tous les jeunes du monde sont pareils dans le plan compétitif, c'est pas parce qu'on est réunionnais qu'on est meilleur. Donc après, c'est les conditions d'entraînement, c'est l'adaptation, c'est les entraîneurs, c'est les moyens financiers qui sont adaptés à tout cela. Et voilà, c'est ça qui va se mettre en place, et tant mieux. Et ça va nous faire de bien belles épreuves et de belles compétitions pour la journée d'aujourd'hui. On va voir le programme tout à l'heure, mais on va tout de suite se rendre du côté de Katiana, qui a déjà un invité, qui pourra justement nous répondre à cette question, Marc. Est-ce que le leadership réunionnais est menacé? Katiana, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Marc. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette dernière journée. Justement, à mes côtés, j'ai le technicien, la référence, Franck Schott. On se posait la question, est-ce que la suprématie de la Réunion dans le bassin est menacée? Non, pas menacée. On était venu ici en favori. On savait qu'on allait être favori et qu'on allait remporter beaucoup de médailles d'or. Et on confirme évidemment, puisqu'on a cette culture, nous, de la natation, plus ancrée que sur les autres îles. Alors justement, du côté de l'île Maurice, quand même, ils vont renforcer l'adversité, notamment sur le 100 mètres messieurs. Oui, bon, cet après-midi, on aura un 100 mètres brasse où ils vont pouvoir bien défendre leur couleur, sur le 50 mètres nage libre aussi. Et, c'est sûr que bon, on est content de voir les Mauriciens qui progressent et qui nous titillent et qui viennent chercher même des titres, parce que l'hégémonie, pour nous, ça ne nous fait pas progresser. Donc on est ravis de voir des nageurs, Seychelles, Maurice, ils progressent, ça nous fait progresser aussi. Et qu'est-ce qui leur manque justement, un meilleur encadrement, de meilleures structures pour arriver au niveau des Réunionnais? Alors oui, évidemment, c'est arriver à un certain niveau, c'est l'entraînement. L'entraînement, ça nécessite des bonnes structures, ça nécessite un bon encadrement, donc tout ça, ça se construit. Comme je vous disais, nous on a cette culture, on est ancré dans la natation depuis plus longtemps qu'eux. Et donc c'est pour ça, on bénéficie encore du travail qu'on a depuis des années et toute la mise en place de structures qui a eu lieu depuis plusieurs années. J'avais une toute dernière question. Quand vous voyez vos records comme ça, qui sont battus sous vos yeux, qu'est-ce que ça vous fait? Quelle émotion vous avez? Alors, moi, ça remonte. Hein. J'ai vraiment plus l'impression, je regarde même pas qui bat les records, à qui appartient les records. Je suis ravi pour eux quand ils battent des records. Mais moi, je suis complètement détaché de mon passé, de ma carrière. Je suis centré sur ce qui se passe actuellement. Et je suis ravi pour toutes les performances qu'ils peuvent réaliser. On peut dire en tout cas Thierry que la Réunion est bel et bien présente dans cette compétition. Merci Franck. C'est le cas de le dire. En plus, il y a quelqu'un à côté de moi qui connaît bien Franck Schott puisqu'il l'a entraîné lors de ses jeunes années. Et vous avez le sentiment quand il dit, c'est vrai qu'il avait un tel talent, une telle avance aussi, Franck, que ça lui paraît tellement loin et qu'aujourd'hui il est presque, il est même content pour ces jeunes qui prennent le relais. Ah ben je partage tout à fait ce qu'il ressent et nous le ressentons tous, notre passé de natation nous a construit et on transmet pour l'avenir, pour le présent, pour l'avenir. Donc je partage tout à fait son ressenti. Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit peu le programme. Il y a le cérémonial qui se met en place avec l'arrivée des juges. Aujourd'hui, quelles sont les épreuves qui, à votre avis, vont valoir qu'il ne faudra absolument pas rater? Alors aujourd'hui, nous avons, ça va démarrer par le 200 papillons, où là, les Réunionnais et Réunionnaises sont favorites. Ensuite, le 100 brasses, où là, ça va être une belle bagarre entre le Mauricien d'Arène qui a été battu par Yannick sur le 200 mètres.
qui a été battu par Dimitri Faubourg sur le 50 mètres et qui est un bon nageur de 100 mètres et qui voudra certainement prendre sa revanche. Ensuite, nous avons les 50 nages libres, où là, donc chez les garçons, je pense qu'on n'est pas forcément favori. Et chez les dames, nous avons la petite Seychellienne aussi qui a fait meilleur temps ce matin. Et bon, c'est pas gagné. En gros, on va avoir du spectacle encore une fois. Donc vous restez bien devant votre téléviseur. Vous partagez ce moment avec nous. Il y a un petit peu plus d'une heure de direct en notre compagnie ici à la piscine du Chaudron. Ceux qui habitent à côté, tout simplement venir au stade. Il ne pleut pas, il fait bon. Et vous allez avoir de beaux moments à vivre sous les yeux des caméras de toute l'équipe de Marc Mario Chamounier. Katiana, est-ce que vous voyez des personnalités autour de vous, des personnes qui seraient en mesure, pourquoi pas, de nous faire vivre et parler un petit peu de la natation avant ce début de compétition ? Eh bien, écoutez, je suis à la recherche effectivement de personnalités, mais pour l'instant, c'est vrai que tout le monde est concentré sur le défilé des juges arbitres. Mais je vous promets que je reviendrai vers vous. En tout cas, on sait que du côté de la tribune d'honneur, il y a énormément d'officiels. On sait, les membres du COJI ont tous fait le déplacement. On sait que c'est la dernière journée, donc c'est pour toutes ces personnes, tout cet exécutif, eh bien, c'était l'occasion aussi de venir, de participer à la fête de natation qui a donné beaucoup de médailles et qui est une vraie réussite au niveau de l'organisation. La piscine était prête à temps. Oui. On a eu juste une petite incertitude le premier jour sur les lignes d'eau. Après, tout a fonctionné parfaitement. Et le mauvais temps hier. Oui, mais ça, c'est rien. Bon. Ça fait partie de la fête et du spectacle. Voilà. Sinon, au niveau de l'organisation, c'était parfait. C'était impeccable. Le timing était bon. Tout s'est vraiment très, très bien déroulé. Le spectacle était super. Vraiment, c'était très, très bien. Avec en plus des cérémonies protocolaires réalisées de haut vol. Exactement. On va pouvoir suivre. Voilà, maintenant les juges se sont positionnés et ça va être maintenant du côté des nageurs qui vont bientôt arriver au niveau du bassin, lors de ce bassin olympique. Un petit peu fort dans l'oreille. Voilà, donc ça en place. On va commencer donc avec le 200 papes dames, avec cette première finale, avec Emma Morel, qui paraît quasiment intouchable. Oui, alors Emma Morel, on sait, est intouchable. Elle fait quand même partie des toutes meilleures papillonneuses françaises. Elle est maintenant régulièrement dans le top 10 depuis plusieurs années. Et donc elle va survoler cette épreuve sans problème. À côté d'elle, Clin Sarah, qui est une jeune nageuse de 17 ans qui s'entraîne à Saint-Jean et qui est dotée d'une performance que je pense qu'elle est capable d'améliorer. Donc voilà, doublé réunionnaise sans problème, une créopolitaine et une réunionnaise de pure souche et qui vont se battre. Après, pour la troisième place, eh bien, c'est entre les Maurice, c'est entre les Mauriciennes. Ipen Cheung, elle est pas mal aussi. Hein. C'est vrai qu'elle fait à chaque fois de belles performances. Alors, c'est j'ai envie de dire qu'elle est abonnée à la médaille de bronze. Et on va voir, on va suivre tout ça de près. Je pense que là, il y a. A priori, le record des Jeux devrait également tomber sans trop de difficultés sur ce 200 mètres. Hein. Le record des Jeux, c'est 2,29,82. 2,23,82. C'est une Seychelloise qui l'a battue il y a 4 ans, Austin, qui a battu au jeu des Seychelles il y a 4 ans. Le record d'Emma Morel est de 2,18,71, ce qui la classe dans le top 10 des meilleures nageuses françaises sur 200 papillons. Et le record de la Réunion, c'est aussi Emma qui le détient en 2,19,52, performance qu'elle a réalisée il y a 2 ans avant de partir à Toulouse où elle s'entraîne aujourd'hui. Alors le 200 mètres papillon, c'est maintenant, une épreuve. Elle a bien fait de partir parce que maintenant elle est dans les 10 meilleurs français carrément. Absolument, hein, donc tout à fait, c'est vraiment quelque chose d'important pour elle de pouvoir réussir sa performance. Alors le 200 papillon est une épreuve très très difficile parce qu'elle demande énormément de puissance et d'endurance. Donc il ne faut pas partir trop vite et doser sa course pour pouvoir terminer. Beaucoup de nageurs sur 200 mètres papillon partent trop vite et s'écroulent complètement dans le dernier 50 mètres, où ils peuvent perdre jusqu'à 10 secondes sur leur projet.
Donc Emma, c'est prévu, elle est devant Sarah. Donc elle passe en 1-8, ce qui n'est pas très rapide pour elle. Donc elle va pouvoir certainement faire ce qu'on appelle un negative split, c'est-à-dire faire un deuxième 100 mètres très rapide en terminant très fort. Sarah suit très bien derrière. On a la petite Mauricienne là-bas qui assure sa troisième place. Donc Emma, là, maintenant, devrait se détacher et, à mon avis, elle devrait, si elle a encore la forme, terminer ce 200 mètres avec un bon dernier 50 mètres. Sarah aussi est très bien. Hein. Sarah est très bien. Donc elle passe en 1,45. Donc. Suivi de Sarah Jones. Voilà, on la voit terminer. Elle appuie sur les jambes. Les bras sont très hauts sur l'eau encore. Et pour Sarah, pareil, elle tient le coup, elle appuie sur ses jambes. Et on voit la différence hein, entre d'un côté Emma et puis on regarde même du côté de la Mauricienne où on voit bien que le mouvement, l'amplitude au niveau des bras est totalement différente, ce qui peut expliquer une telle différence. Hein, Emma, la puissance, hein. un petit peu émoussé, mais voilà, 2,19,80. Elle bat le record, qui était, je rappelle, de 2,23,82. Et Sarah Klein en 2,27, elle est tout proche de son meilleur temps. Et la Mauricienne nous surprend, elle est à même pas une seconde de Sarah pour la médaille de bronze. Donc là, nous avons effectivement un podium tout à fait prévu avec des performances dignes de ce qui était prévu. Alors on sent qu'il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance derrière nous. C'est samedi, ça. Oui, tout à fait. Ça commence à chauffer derrière les gradins. Exactement. Voilà. Donc on va les laisser sortir. Alors. Tatiana va pouvoir se rapprocher de Emma. Maintenant, je pense qu'elles se connaissent très bien, toutes les deux. Elles sont habituées avec toutes ces médailles emportées. Effectivement. Alors, Emma, quatrième médaille d'or. Vous avez survolé cette course. On a vraiment eu l'impression que c'était une formalité pour vous. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir eu des ailes sur cette course. Ça m'a vraiment fait du bien parce que j'avais une peur bleue du 200 papes après celui que j'ai fait à Montauban. Ça a vraiment été génial et... que du bonheur pour la fin de saison. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a boosté? La famille présente? Oui, vraiment, parce que ça n'a vraiment pas été une chose facile pour moi. Alors, c'était vraiment génial. Merci à vous. Merci beaucoup, Emma. Oui, parce qu'il faut le rappeler, les nageurs, la plupart des nageurs métropolitains, par exemple, sont arrivés, même les jeunes réunionnais arrivent des championnats de France pour certains. Ils ont eu très peu de temps de repos, donc ils ont dû travailler très peu. C'était vraiment cette période avant jeu, c'était une période de récupération. Tout à fait. Et Emma était très affûtée à Montauban, elle a fait un podium. Donc elle a été un petit peu en perte de vitesse à son arrivée ici. Elle a fait sur 200 papillons de 19,90, c'est très bien. Donc là, c'est les messieurs maintenant. Donc on a une fois de plus deux créopolitains. Alors Jean-Patrick Bernet à la ligne 5 qui s'entraîne à Nîmes et qui est crédité de 2,8 et qui est donc l'aîné. Et William Moulon qui lui a 17 ans, il est parti il y a un an au pôle de Nice. Il s'entraînait au NSD, donc à Saint-Denis auparavant. Et il est crédité, lui, de son meilleur temps. Alors là, pareil, tous les deux nageurs sont des nageurs de 200 mètres. Ils vont dominer cette épreuve sans difficulté, avec des performances qui devraient se situer à peu près à 2 minutes 7, 2 minutes 8, sachant que le record des Jeux des Îles est de 2 minutes 7 secondes et 60 centièmes, qui est détenu par un Seychellois depuis les Jeux des Îles de 2011 aux Seychelles. Donc là, c'est William... touche pratiquement en même temps, en passant 30 secondes. Donc ça va être un mano-mano, l'aîné qui va essayer de battre son cadet, et William Moulon qui est un sacré battant encore, qui ne va pas se laisser faire. Donc ça va certainement se jouer dans le troisième 50, celui qui sera le plus frais pour démarrer dans le troisième 50 et tenir. Alors là c'est William qui
domine cette, ce 100 mètres. 59-60, donc à peu près la minute pour les deux. Va falloir revenir en moins de 1,7 sur deuxième 100 mètres pour battre le record. Je rappelle que Jean-Patrick, quand même, à la course d'hier, quand même, dans les bras déjà. Voilà, il a un peu de. Voilà, William, c'est sa seule course qu'il va faire. Voilà. Jean-Patrick, il a le 204 inches dans les pattes, effectivement. Il est aussi déjà universitaire. Il a moins le temps de s'entraîner à Nîmes parce qu'il fait des études. Et là, je crois que c'est William qui va s'envoler sans problème. C'est le troisième 50. Là, il fait la différence. Et là, Jean-Patrick ne reviendra plus. Et sur le plan psychologique et mental, c'est souvent une bonne chose pour celui qui domine la course, parce que ça lui donne des ailes. Ouais, il a envie de gagner. Au bout, là. Mais là, Jean-Patrick, c'est un sacré finisseur. On l'a vu hier dans le 104 nage. Et il n'a pas cessé à battre comme ça. On a quand même l'impression que. Oui, Liam domine, sans problème. Alors, je rappelle le record 2,760. Et voilà, 2,723. Donc on était tout à fait dans la. Avec un nouveau record. Était de 2, 7, l'ancien était de 2,760. 2,723. Et puis la troisième place pour Maurice en 2,20 pour Okim Fong, Warren Okim Fong. Donc là on voit que le record du 200 papillons qui était à Maurice aux Seychelles revient à La Réunion. C'est un jeune, donc William Moulon qui l'emporte. Et donc 2,7-2,8, c'est un petit peu ce qu'on avait de départ de la course. Ouais, ça se confirme, 2,7-2,8. Avec un temps de passage de 100 mètres qui était d'une minute, donc le retour c'est à peu près cohérent. Voilà, très, très beau doublé encore. Et puis une après-midi qui commence bien côté réunionnais hein, déjà, avec à deux fois des doublés sur le 200. Tout à fait. Alors on va pouvoir recueillir, on va laisser récupérer et recueillir sa réaction à William. Mais il a bien fait parce qu'en décidant de ne participer qu'à une seule course, et bien voilà, donc avec à la clé, oui, une médaille d'or. Et belle médaille, parce que le 200 papillons, c'est pas une épreuve hein, qui est courue. Au championnat régionaux ou au championnat de France, c'est certainement pas celle où il y a le plus de séries. Justement, je le laisse un petit peu souffler. William, 17 ans, vous avez battu le record des Jeux des Îles en 2,7,23. Est-ce que vous pensez qu'avec Patrick, Jean-Patrick, vous avez 6 ans d'écart, c'est votre jeunesse qui a fait la différence ? Ça, je pensais plutôt question de. Je sais pas. Non, je pense que je me suis plus entraîné cette année. Puis pour moi, c'est peut-être la dernière course. Du coup, je voulais vraiment me surpasser. Je savais que c'était 2,76 le record des Jeux. Et je voulais juste le faire. Et peu importe la place, je suis quand même content parce que c'est quand même un deuxième réunionnais sur le podium. Et voilà, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait une petite compétition quand même entre vous et Jean-Patrick ou pas du tout ? Pardon ? Est-ce qu'il y avait quand même une petite compétition entre réunionnais, entre vous et Jean-Patrick ou pas du tout ? Bien sûr, en fait, moi, c'est ma seule course des Jeux. Et du coup, avec Jean-Patrick, on se regarde, on se parle, on se taquine et tout, mais ça reste tout à fait sportif et je l'apprécie tout à fait en tant qu'ami. Et ben voilà Thierry, c'est juste pour vous dire qu'entre réunionnais aussi, on se tire un petit peu la bourre et puis il y a des records à battre et la compétition s'installe également entre les réunionnais. Mais oui, en effet, la compétition s'installe. De toute façon, ils n'ont pas le choix puisque tout au long de la saison, ils se rencontrent avec vos clubs, dans l'Hexagone, quand ils sont partis sur les pôles. Forcément, c'est aussi ça l'émulation, j'ai envie de dire. Oui, c'est la rivalité sportive saine et chez nous, de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui est très très sain, cette rivalité. Car les nageurs se retrouvent régulièrement, sont les meilleurs copains du monde, mais dans l'eau, voilà, on s'arrache. Alors là, on est au 100 mètres brasse, on retrouve Géraldine Huffner qui va largement dominer cette épreuve. Elle a le record des Jeux des Îles en 1,13,44, le record de la Réunion, c'est elle qui l'a en 1,11,65. Et à côté d'elle, Jody Foulquier, qui était deuxième aussi aux 50 brasse, qui a fait 1,16 il n'y a pas longtemps à Montauban au championnat de France. C'était son meilleur temps et qui va essayer de récidiver aujourd'hui. Et puis sans oublier la Pouchillon Elodie, hein, la Mauricienne. Oui, tout à fait. Puis avoir une belle bagarre pour la médaille d'argent, tant la présence de Huffner Géraldine, ça y est, pour elle c'est sûr, elle sera sur le podium, la première marche. Après c'est derrière que ça va peut-être se jouer. C'est vrai. Jody avait terminé deuxième en plus sur le 50 mètres brasse, donc elle est peut-être. En battant sa meilleure performance.
Et on sait qu'effectivement, la jeune Pushing Melody, elle est tout le temps présente. Et elle a tendance à partir toujours un petit peu vite. Après, il faut tenir. Donc là, bon, Géraldine passe en première devant Jody à une seconde à peu près entre les deux. Et là, c'est toute la classe, le talent de Géraldine. Et puis, bon, Sandra Denès aussi, elle s'entraîne toujours pareil. Et Jody, qui est en pleine progression, qui va bientôt nous quitter la Réunion pour aller au pôle d'Amiens. Donc le pôle de Jérémy Stravius. Ah oui. On lui souhaite. Avec de tels partenaires d'entraînement, elle ne pourra que progresser. Ouais. Avec Michel Chrétien qui entraîne là-bas. Et on lui souhaite plein de choses. Alors l'arrivée, le record des jeux, 1:13:44. Bon, ça sera battu. 1:13:23, voilà, c'est battu. Et Jody Fulquet, 1:15:35, qui passe la meilleure performance d'une seconde. Donc elle est en pleine progression. Et c'est, voilà, la Mauricienne 3e à 1:20. Voilà, superbe. Alors là, on est encore dans des bonnes performances au niveau national, c'est-à-dire tous ces temps-là par rapport aux catégories d'âge sont à prendre en compte. Et donc ce niveau performant des Jeux des Îles progresse d'année en année. Et c'est une bonne chose pour l'océan Indien. Avec toujours cette possibilité et ce souhait de voir, ce qui nous permettrait justement de montrer un petit peu plus de natation sur les antennes de Réunion Première, où je rappelle, durant ces Jeux des Îles, on a essayé d'avoir un panorama le plus complet des disciplines, tant au tennis, au basket, au volley, hier encore la belle victoire des volleyeurs réunionnais. Allez, on va écouter Katiana qui doit avoir la grande gagnante. J'ai la grande gagnante, Géraldine, 3e médaille d'or, encore un record battu. Comment vous faites? Ma spécialité, c'est la brasse et là j'ai le triplé, donc je suis super contente d'avoir réussi, surtout que le dernier jour c'est un peu dur. De reprendre d'avoir encore toutes ses forces et d'être fraîche. Donc je suis contente, même si le chrono n'est pas extraordinaire, mais je fais quand même le record, donc c'est bien. C'était votre objectif? Oui. C'était faire les trois records sur ces jeux, donc c'est bien. Le pari est gagné. Voilà, il reste le relais après le relais 4 nages tout à l'heure. On va la laisser se reposer un petit peu pour le relais 4 nages, qui est une très très belle course, Thierry, et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok. Eh oui, c'est non. Là, c'est assez messieurs, avec encore une fois, là ça va être la course. Oh là ça c'est la course. Hein. Ça va être un combat. Un combat, l'honneur, l'orgueil, tout y est, parce que. Là avec une grosse bagarre en perspective, hein, avec le spécialiste du 200, hein, Yannick Châtelain du côté réunionnais. Yannick Châtelain et le spécialiste du 100. Spécialiste du 100, Darren Chan Chinois, le Mauricien. Donc il y a de la revanche en plus dans l'air. Tout à fait, oui. Donc là, c'est véritablement la course de l'après-midi. Hein. On rappelle que Darren a participé au championnat du monde en Russie, donc il a rejoint la Réunion en début de semaine, qu'il s'est fait battre sur 200 mètres par Yannick et sur 50 mètres par Faubourg. Et là, je crois qu'il va tout faire pour gagner ce 100 mètres. J'imagine qu'il va partir très vite. Le tout, c'est de tenir. Connaissant Yannick Châtelain, qui est un bon finisseur. Voilà. Ouais, ça va être une très, le record, très belle course. 1:04:51. C'est Guillaume Icard qui le détient depuis 1998. Couloir 4 et 5. Et puis au couloir 3, l'autre réunionnais, hein, Nathan Mander. Nathan Mander, voilà, qui est un réunionnais du Pourceaux, qui s'entraîne à la possession, qui a 18 ans. Qui est encore un de ces nageurs talentueux, sprinter pur, 50-100 mètres. Au-delà, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, Darren, un tout petit peu devant Yannick. Nathan, à égalité avec les Mauriciens et les Seychellois. Alors, je vais regarder le temps de passage de Darren. 30 secondes et à peu près 5 dixièmes. Après, c'est Châtelain. Et voilà, donc on va voir ce deuxième 50 mètres avec le Mauricien Darren toujours en tête. Il faut qu'il tienne parce que Châtelain est un sacré finisseur. Pour la médaille de bronze, eh bien, c'est le Mauricien Hachim Olivier qui prend le meilleur sur Nathan. Et là, c'est voilà. Darren, c'est sa course, c'est sa nage,
C'est son 100 mètres. Il va le remporter haut la main avec un record, encore un record des Jeux des Îles Battues, 1,398. Et c'est super. Oui, Darren, c'était sûr qu'il allait, revenir dans la partie. C'était pas possible qu'il soit battu deux courses. Non, là, c'était pas possible. C'est dit, là, ce n'est pas possible. Il avait toute la colonie. On a vu d'ailleurs la joie qui est de la colonie mauricienne juste à côté de nous. Pour eux, c'était pas possible qu'ils perdent sur cette course. Après, Yannick, on l'a dit, hein, c'est plutôt lui sa spécialité. Tout à fait. C'était le 200. Mais là, c'est aussi le mental. Donc, c'est le mental de Darren. Il fallait relever le défi. Il l'a fait de merveilleuse manière. Bon, Yannick, il est dans son temps. Nathan a fait un petit peu moins bien. Il n'est que quatrième. Et en fait, il faut donc signaler les deux performances des Mauriciens, parce que le deuxième était à 1,691 et c'est aussi une bonne performance. Donc très très bon niveau de brasse encore sur l'océan Indien. Ouais, beau doublé des Mauriciens. Belle perf. Et je suis actuellement aux côtés de Darren. Allez, troisième course et c'était la bonne. Vous êtes allé la chercher cette médaille. Ouais, je suis allé la chercher vu que le 200 et 50 n'est pas un moment facile. Mais là, je vais me concentrer plus sur le 100 mètres. Et ouais, je fais un bon temps en dessous de 1,4. On a vu tout de suite, hein, juste après la coulée, que vous aviez un peu d'avance. L'objectif, c'était de maintenir cette avance-là. Ouais, j'ai essayé d'aller au plus vite pour les 50 et de tenir les derniers 50 mètres. Je pense que ça a bien marché pour moi. Est-ce que vous avez un message à tous les Mauriciens qui nous regardent et qui sont venus nombreux aujourd'hui vous saluer? Ouais, tout d'abord, les remercier. En créole, Mauricien. Passons à Félicite Elisabeth. Tu entends remercier votre support et mon famille qui également calme. Je suis tout à mon papa qui est resté au pays. Salut papa. C'est tout. Merci beaucoup, il est très très essoufflé, vous voyez, ça c'est l'esprit sportif. Et vous pouvez nous suivre en direct évidemment dans tout l'océan Indien avec ces Jeux des Îles, Thierry. Eh oui, le petit message à la famille, il a bien fait parce que, on le voit d'ailleurs, nos confrères de la télévision mauricienne se dirigent très vite vers lui. Eux aussi doivent être contents, rassurés de voir cette victoire de Darren. Ils commencent à s'inquiéter après ces deux déconvenus, j'ai envie de dire. En même temps, ça... On a vu les performances tant de Dimitri que de Yannick étaient très, ils étaient au-dessus de toute façon. Oui, tout à fait. Il était confronté à Yannick sur le 200 brasses alors qu'il venait de revenir de Russie et qu'il n'était certainement pas au top. Donc c'est pareil. Là, il reprend, effectivement, il remonte un petit peu. Je pense que tout à l'heure, dans le relais 4 nages, il va parcourir le 100 mètres brasses et il va se bagarrer encore pour... essayer de faire gagner son relais. Jean-Patrick et Boulon William. Donc là, c'est la cérémonie protocolaire du 200 papillon d'âme. Qui se prépare. Avec Emma et Sarah. Donc Emma et Sarah sont toutes les deux originaires du club de Saint-Jean et entraînées au départ par Christelle Chemin. Oui, c'est... On l'a vu, c'est aussi là, on l'a dit, c'est la réussite de tous les clubs. Oui, tout à les fait. Coachs, tous les coachs, l'encadrement qui tout sont là. Alors là, ils sont pris avec le sélectionneur, mais oui. On sait tout le staff technique du groupe. Mais c'est aussi le travail des clubs, fait en club, qui est là récompensé, qui est mis en lumière. Absolument, parce qu'en fait, tous nos créopolitains en fait, ont été formés à La Réunion. C'est bon, c'est génial. Il n'y a pas de vent. Et il n'y a pas de vent, c'est vrai. On a commencé dans les conditions difficiles, avec le vent. Après, hier, on a eu de la pluie. Et puis, eh ben, aujourd'hui, une très belle journée. Et encore une fois, de très beaux podiums. Et alors, les résultats, 4 épreuves et 4 records des Jeux des Îles battus, dont certains de justesse, comme Darren en brasse et tout à l'heure William en papillon, Emma en papillon.
c'est quand même le vent joue quand, quand les records sont limites. De Thierry Grimaud, président du Gouli, et de M. Solidane Yogida, ministre des Sports de l'Île-Maurice. C'est bien pour la petite cadette, Sarah Klein. Oui, qui s'entraîne donc à Saint-Jean avec Christelle Chumi. Et qui s'accroche sur ce papillon à La Réunion. Elle est avec Mathilde Barraud, Christelle Berch, parmi les meilleures papillonneuses qui sont restées sur La Réunion. En 2 minutes, 27 secondes et 24 centièmes. Passons médaille de bronze, Klein médaille d'argent. C'est le, enfin, temps que, c'est le temps pour qu'elle la a fait. Médaille d'or, ça va être Emma Morel. Donc Sarah, c'est le temps qu'elle a fait à Montauban. Donc elle, elle a refait cette performance. Ça veut dire qu'elle est restée toujours au même niveau. Il n'y a pas eu, oui, pas eu de relâchement de sa part. Emma, qui était championne de France cadette il y a un an, sur 100 mètres papillon, faut le rappeler. Il y a 2 ans, pardon. Parce qu'elle a 19 ans maintenant, donc c'était il y a 2 ans. Allô. 1-2-1-2-2. Rappelez, le 19-91, son temps. Le précédent record, hein, qui était tenu depuis les Seychelles. Hein, par, oui, une, par une Seychelloise, par une Seychelloise, ouais, à part hostile. Voilà, c'est superbe, elle l'a fait tomber. Et elle a très largement battu, puisqu'il était, ouais, de 2-23-82. Ouais. Non, c'est très important et très bien pour Emma, pour la suite de sa carrière, ou en tout cas dans le sens qu'elle veut lui donner. Alors Emma, c'est pareil, elle a donc passé le bac cette année, donc il va falloir qu'elle s'oriente vers des études. Et ça va, on va peut-être en parler tout à l'heure lors du demi-fond, c'est quelle est la part que les études laissent aux sportifs de haut niveau dans leur préparation et dans leur projet de carrière sportive. C'est tout l'enjeu qui existe pour les sportifs français, je pense, dans toutes les disciplines, par rapport à ce que, par exemple, les Américains ou les Australiens tout peuvent proposer. La problématique autour de l'adaptation des programmes scolaires, études, sport, quel temps on peut consacrer, et puis quelle est la place. Est-ce que le côté scolaire va accorder qu'on donne au sport ou que le sport donne, on sait pas. Pendant très longtemps, les centres de formation dans le football n'aimaient pas trop que les apprentis footballeurs fassent de longues études ou vice-versa. Aujourd'hui, on sait que la réalité, c'est que si tu n'es pas bon au niveau scolaire, on ne te prendra pas dans un centre de formation. Voilà, c'est, et ben, c'est pareil, j'imagine. Mais après, c'est aussi mettre tout ça en place. Et on va quand même savourer ce beau duo. Bravo les filles. Voilà, le beau sourire Saint-Josephois. Voilà, et on s'arrête devant les parents. La maman de Sarah qui prend les photos. Les Réunionnais sur la plus haute marche. Oui. Messieurs. Cette cérémonie sera présidée par Daniel Roulière, Cogi Réunion, Thierry Grimaud, président du Cogi, et M. Samizan Maden. Un vrai coup gagnant pour William. Une course, une médaille d'or. Troisième position et médaille de bronze pour l'île Maurice. Alors nos deux Réunionnais, donc Jean-Patrick et Moulon, sont actuellement en métropole. Jean-Patrick a été formé au club de Sainte-Marie et il s'entraîne à Nîmes dans le club avec Yannick et continue de faire des études et s'entraîner, donc c'est pas évident. Et William, qui est parti il y a un an à Nice et qui, lui, continue à progresser, a énormément progressé à Nice. Et se trouve actuellement parmi les meilleurs cadets français en papillon. Moulin William pour la Réunion,
en 2 minutes 7 secondes 23 centièmes. Donc formé au club de Nézère à Saint-Denis. Et s'ils partent en pôle, c'est qu'ils sont déjà reçus en pôle. C'est-à-dire qu'il y a déjà un niveau sportif qui leur permet d'être admis, et puis un niveau scolaire qui aussi leur permet d'être admis. Tout à fait. Puis en plus, on le voit, sur les... lors des championnats de France, ils ne passent pas inaperçus. Donc forcément, les pôles ont aussi tendance à très vite vouloir les recruter. Même parfois, je suis sûr qu'ils ont même envie d'aller en piocher quelques-uns beaucoup plus jeunes chez vous. Je suis certain de ça. Et derrière tout ça, il y a un engagement financier de part et d'autre. Donc il faut que nos sportifs soient au niveau de leur talent, au niveau de leur ambition et aussi au niveau de l'engagement financier qui suit derrière. Oui, parce que pour vous, c'est un vrai coup de pouvoir faire venir tous ces jeunes, les engager pour qu'ils puissent participer à un championnat de France. Donc je sais qu'on l'a vu, tous les clubs de l'île de la Réunion ou même de Maurice ou d'ailleurs, dès qu'il y a une compétition où il faut se déplacer, forcément, ça engage des sommes d'argent et qu'on sait que c'est pas simple continuer à pouvoir se déplacer tous ces jeunes. Et pourtant, ils en ont besoin puisque c'est à travers ces échanges qu'ils progressent. C'est clair, si vous faites un championnat de France à Marseille et que vous habitez à Lille, vous prenez le TGV et puis ça coûte moins cher. Nous, par exemple, notre club de Saint-Paul, l'année dernière, on a eu une quinzaine de nageurs qualifiés dans les différents championnats de France. On sait que le coût global d'un nageur qui part au championnat de France, c'est 2500 euros, en tenant compte du voyage, du séjour et puis de tout cela. Donc ça, multiplié par 15, voire multiplié par 20, il faut que les clubs soutiennent, malgré des subventions qu'on a indirectement. Il y a notamment la DOM qui nous donne au niveau du conseil régional. Mais c'est quand même le club et les familles qui supportent. Mais on l'a vu, c'est aussi pour pouvoir permettre à ces jeunes de vivre ces moments d'émotion. On a vu la joie de ces deux jeunes quand ils portaient, ils arboraient fièrement le drapeau parce que c'était une victoire. C'est vraiment aussi le sacrifice dans l'eau qu'ils ont fait pour pouvoir ensuite obtenir ces résultats. Donc forcément, il y a un retour gagnant pour les clubs et ceux qui investissent sur tous ces jeunes. Alors là, on est parti sur le 800 mètres nage libre, donc on aborde les deux épreuves de demi-fond, le 800 mètres pour les dames et puis le 1500 mètres pour les messieurs. Le 800 mètres, ça doit faire à peu près 10 minutes, donc on a 10 minutes devant nous à suivre Alizé Morel qui va caracoler en tête sur ce 800 mètres parce que personne n'est à son niveau. Et puis la petite Romane. Qui nage dans le même club d'Alicalisé à Nice et qui, elle, du haut de ses 16 ans, va essayer de battre son meilleur temps. Donc largement en tête face à la Limanto Kane de Maurice, qui est celle qui a le meilleur temps d'engagement chez les adversaires. Non, mais là, on peut s'attendre à un cavalier seul, en plus sur un 800 mètres, on est parti quoi pour à peu près 8 minutes de course pour Alizé. Et puis pour les autres, c'est peut-être une dizaine de minutes. Donc, on va pouvoir avoir le temps d'apprécier la nage et rappeler et la glisse d'Alizé. Rappeler qu'Alizé était sur le podium des championnats de France sur 800 mètres l'année dernière. Elle était médaille de bronze. Et voilà, donc c'est tout à son honneur. Le record est encore détenu par Austin à la Seychelloise. Depuis 2011, en 9,07,54. Bon, il faut savoir que Alizé nage à peu près entre 8,50 et 8,55. Donc ce record est à sa portée. Mais il ne faut pas qu'elle s'endorme parce qu'elle est toute seule. Donc, la difficulté. C'est que pour aller chercher un record, on sait par exemple en athlétisme, vous avez des lièvres, vous avez des gens qui vous accompagnent un certain temps et puis après ils vous lâchent. Ouais. Alors que là, elle est seule. Elle va être vraiment le cavalier seul, la personne véritablement qui va la titiller, l'obliger à l'épuiser dans ses réserves. Mais elle a quand même en tête un objectif de 8 médailles. Voilà. Donc elle sait qu'elle a la médaille obtenue, donc elle peut se débarrasser de ça. Maintenant, c'est se concentrer non pas sur la médaille, mais sur le chrono. Ensuite, elle a encore le relais 4 nages après, donc elle doit aussi être performante dans ce relais. Même si on est favori, on ne sait jamais, parce que les Mauriciennes, quand même, elles étaient présentes en dos, elles étaient présentes en crawl, donc il ne faut pas qu'on s'endorme. Donc là, le classement se dessine tout de suite. Alizé devant et une petite Romane derrière en numéro 2. Et ensuite, c'est un peu la bagarre entre Maurice et les Seychelles.
Et bien on va profiter parce qu'il y en a une qui ne s'endort pas, c'est tout simplement Katiana qui a toujours un invité à côté d'elle. Et Katiana, vous êtes à côté tout simplement de Thierry Grimaud. Absolument. Le président du COJI. Absolument. On va se mettre de ce côté parce que je trouve que la vue est quand même beaucoup plus agréable d'avoir la vue sur la piscine alors que ça continue à nager. Thierry, bonjour. Alors, vous avez fait le déplacement. C'est vrai qu'on a eu quand même des débuts de jeu très contrariés, mais le public est toujours au rendez-vous. Oui, mais c'est l'objectif des jeux. Avant le début des compétitions, on nous a dit est-ce que le public va suivre, est-ce qu'il y aura un engouement populaire. On le voit sur l'ensemble des sites, il y a cet engouement populaire. Les sportifs se rendent compte, comme il est prévu dans l'organisation des Jeux, ils échangent, ils se rendent compte, que ce soit au village ou sur les sites, on a une très belle ambiance. Je pense que dans ce cadre-là, les Jeux sont réussis. Les Réunionnais sont largement favoris dans beaucoup de disciplines. Ça cause un peu ou pas ? De quoi ? Je dis les Réunionnais sont largement favoris dans beaucoup de disciplines. Bah écoutez, c'est-à-dire qu'il y a une bonne préparation. Et puis localement, on a justement ce public qui pousse et qui amène nos jeunes à se dépasser. Et puis, mais je crois qu'il y a aussi une belle confrontation, une belle concurrence avec les autres athlètes des autres villes. Et qu'est-ce qui nous attend pour 2019 ? Ben 2019, j'espère qu'il y aura aussi d'autres jeux, que ça va être dans la continuité des Jeux des Îles, mais il ne faut pas se cacher. Il faudra revoir la totalité de la charte, définir le contenu pour que ce qu'on a vécu ici, qui sont dans les activités périphériques des Jeux, ne se renouvelle pas parce que là, je pense que les Jeux ont été pris dans un jeu politique qui est très négatif pour nous. Et une question un petit peu plus légère, vous nagez, vous ? J'ai nagé, mais je c'est vrai que je ne suis pas un homme d'eau, c'est plutôt de montagne. C'est-à-dire, vous êtes un trailer ? Non, non, j'aime bien, je marche un peu, mais si on parle d'activité sportive, moi je suis plus sport collectif, parce que j'aime l'échange avec les autres sur le terrain, que ce soit les partenaires ou les adversaires. Du sport collectif, on en a aussi en natation avec les relais notamment, cours surtout à ne pas rater, ici avec nous en direct de la piscine du Chaudron. Merci beaucoup Thierry. Merci. Alors, merci à tous les deux. Voilà, alors Alizée passe en 3,25, elle a un petit peu ralenti. Donc elle va sur un rythme qui ne lui permettra pas forcément de battre ce record. Voilà, donc je crois qu'elle se contente peut-être de nager et de gagner cette course sans aller plus loin. Elle n'a peut-être pas l'ambition de battre le record. Alors que Petit Romain derrière s'accroche bien, elle n'est pas trop loin, elle a 5 mètres d'Alizée. Je crois qu'elle a un petit rythme de croisière là, Alizée. Donc elle va certainement se contenter de gagner. Oui, non, je pense qu'elle ne veut pas prendre de. Elle veut pas prendre de risque. Je dis que ouais. Voilà. En plus, elle sait quand même derrière, il y a. Pour aller chercher sa dernière médaille, elle va en avoir besoin de toute sa fraîcheur pour le relais. Et si ça doit jouer sur le. Dans le 4x4, ouais, parce que là, qu'elle est toute elle sa passe fraîcheur. Elle passe en 37, ça lui fait déjà son double le 4x37. Ça lui fait déjà au-delà du record. Elle gère son avance. Contre, à mon avis, si elle voulait, elle pourrait très bien accélérer et faire un deuxième 400 mètres en négative speed. Ce n'est pas dans son intérêt pour la suite de la compétition, pour la dernière journée, si elle veut vraiment atteindre son objectif, qui serait juste incroyable au niveau des nageurs. Quoi. Donc, elle veut être la première à le faire. C'est aussi peut-être parce que Romain Petit, qui est sa camarade de club, à Nice, peut-être aussi c'est pour l'attirer, pour lui dire « Allez, viens », et pour lui permettre de faire une bonne performance. Qui est pas mal d'ailleurs, elle est passée en 4,41. C'est pas mal, ça lui fait un équivalent de 9,20, c'est le temps qu'elle a déjà fait et donc elle peut le refaire. Donc là on va arriver aux 500 mètres, derrière il restera donc 300 mètres, c'est-à-dire à peu près 3 minutes 20. Et après on va aborder le 1500 mètres. Et Katiana est avec quelqu'un. Parce qu'on l'a dit depuis quelqu'un que vous connaissez bien d'ailleurs, Marc, hein, avec le président du comité régional de natation. Tout à fait. Absolument. Jean-Claude Cossanel, bonjour. Les Réunionnais imposent leur suprématie ici dans le bassin. Comment vous vivez ces Jeux ? Écoutez, ce sont les cinquièmes que je vis. Je crois qu'au niveau sportif, ce sont ceux qui sont le plus intéressants, puisque ce sont ceux qui voient le plus de chutes de records des Jeux. Et je crois que quand on est un dirigeant sportif, c'est ce qui est important, que le niveau des Jeux monte, que l'adversité dans la zone océan Indien évolue, et elle évolue dans le bon sens. Et pour vous, comment vous voyez les Jeux des Îles dans 4 ans ?
Mais écoutez, j'espère que dans 4 ans, on se retrouvera ou à Maurice ou aux Comores ou je ne sais où, et que les Jeux encore verront nos athlètes performer et battre tous les records qui ont été battus aujourd'hui. Et je crois que c'est ça, le sport, c'est aller toujours plus haut. Est-ce que vous pensez qu'un bon nageur qui reste à La Réunion peut faire aussi bien qu'un nageur qui part en métropole se former avec un encadrement technique, professionnel, un petit peu plus poussé? Alors, je crois que La Réunion dispose de cadres performants, mais c'est évident que nous sommes dans une zone géographique où il y a peu d'adversité pour le moment, et les nageurs ont besoin de cette adversité. Donc, aller dans des centres métropolitains, c'est ce qu'on leur conseille, tant qu'il n'y aura pas de pôle réunionnais. Pas tant par la qualité des cadres, mais surtout par le fait que tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ils seront dans les bassins avec des gens qui pourront les pousser dans leur dernier retranchement. 24 médailles d'or aux Seychelles il y a 4 ans. Oui. Pour 26, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. 31. Non, les chiffres me reviennent, c'est ça? Non, c'est... 31, c'est le record. C'est 31, beaucoup, hein. 31 médailles d'or, c'était le record. Attendez, vous êtes en train de me parler en même temps. J'écoute Thierry, allez-y. Alors, 31, c'était le record à battre, mais c'était il y a 4 ans, c'était 26. C'était 26, et là, on en a 24, c'est ça? On en a 24 aujourd'hui. Voilà. 24 médailles d'or aujourd'hui, il y en a encore qui vont tomber. Vous aviez fait un petit pronostic, vous? Je ne suis pas tellement comptable des médailles, mais c'est vrai qu'on pose toujours la question. Moi, j'avais dit on devrait en laisser 10 à nos adversaires. Et je pense que, vu les performances réalisées par les nageurs réunionnais, on devrait en perdre 6-7. Donc... J'étais légèrement en dessous de ce qui va être réalisé. C'est tout ce qu'on vous souhaite, et je pense que Alizé va pas tarder à arriver, si ce n'est déjà le cas. Merci à vous. Si Alizé, elle arrive dans 50 mètres. Donc elle est à 8,45, donc elle va pas battre le record des Jeux des Îles. Donc je pense que c'était absolument pas son objectif. C'était gagner, et puis c'était aussi permettre à Petit Romain derrière d'être tiré un petit peu, sachant qu'elle n'est pas trop loin. Et je pense que Romane va faire un bon temps. Oui, un très bon temps. Et c'est vrai qu'elle lui a permis de se rapprocher, d'essayer d'aller dans sa vague, pas très loin, pour être proche, pour pouvoir se rapprocher. Voilà. Encore quelques mètres, et ça sera une nouvelle médaille d'or. Voilà, 9,21. Et Romane, 9,25. Voilà, donc Romane est toute proche de son meilleur temps. Et puis bon, Alizé a gagné. Et derrière, la troisième, c'est la Mauricienne. Et ça lui fait 6 médailles. La Mauricienne Naïdo Melody, qui a 17 ans aussi. On va attendre les deux dernières qui arrivent et on va pouvoir mettre 9,55 qui bat son record et la deuxième Mauricienne également. Voilà, et ça va être donc la session sur cette victoire d'Alizé Morel que nous allons conclure cette retransmission. Merci de votre attention et puis pour vos nombreux messages d'encouragement, un grand merci à toutes les équipes de Réunion Première sous la houlette de notre réalisateur Mario Chamouillet. Ils vous ont fait vivre ces 4 jours de compétition. Merci à Katiana, merci Marc. C'est un réel plaisir. Ce plaisir était partagé. Merci Thierry et merci Tatiana.